nouveau monde à l'espace Herminette de Rouget le week-end dernier. Députés, maires, jolies miss et fanfares de Soudan ont inauguré la 31e foire commerciale de printemps organisée par l'Union des artisans et commerçants du canton de Rouget. Une 31e édition placée sous le signe des vieux métiers avec un chapiteau présentant le savoir-faire des anciens artisans et commerçants du canton de Rouget. Au total, plus de 40 exposants présentaient leurs activités cette année. L'ensemble des artisans et commerçants du canton de Rouget sont fidèles à ce rendez-vous et surtout veulent comme ça proposer un service de proximité à la population. Et avec la mobilisation de tous les anciens artisans ou commerçants en retraite, félicitations. Cela prouve qu'il y a une transmission dans les savoirs et que les jeunes qui sont aujourd'hui artisans ou commerçants sont issus d'une formation qui a été délivrée par tous nos anciens professionnels. Cette année, Christian Blanchard a eu l'idée, la bonne idée, de mettre en avant donc les vieux métiers et a lancé cette idée de créer un chapiteau avec tous les anciens exposants, anciens artisans et commerçants du canton de Rouget. Donc là, on est ancien boulanger, ancien charcutier, ancien menuisier, ancien ébéniste, là, même l'ancien hôtel-restaurant. Alors cette année, en nouveauté, on a la poterie. Donc une dame qui nous fait de la poterie. Bon là, c'est une présentation, c'est un petit spectacle qu'elle nous fait de poterie. Autrement, il y a d'autres activités. Maréchal Ferrand, c'est un vieux métier aussi. Et puis de la location de vaisselle. Je fais de la location de vaisselle à rendre non lavée, donc pour toute réception, que ce soit des associations, des particuliers ou des professionnels. Ils louent la vaisselle, je la livre ou ils viennent la chercher et puis ils me la rendent non lavée. Ça peut être un repas de famille d'une vingtaine de personnes, hein, pour une petite soirée, comme une association où il y a 800 personnes aussi. Ils me disent ce qu'ils veulent, je peux installer les tables, voilà, je peux décorer. Ils choisissent leur décoration, ils vont l'acheter et moi je peux installer toutes les tables. Je voudrais vous souhaiter à vous tous, artisans et commerçants, bien sûr de bons contacts, de remplir vos carnets de commandes. Je pense que tous les ingrédients sont au rendez-vous pour que l'Explorama 2011 soit encore d'un excellent millésime. Un week-end ponctué également par un concours de palais, un spectacle équestre, des danses de salon et une fête foraine.